Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube Kim Yoga. Alors aujourd'hui, une vidéo pour avoir de belles fesses. Donc on est dans le pragmatique, voilà, dans le concret. Donc le yoga, ça peut être spirituel, ça peut être plein de choses, mais ça peut aussi servir pour localiser des zones du corps et avoir mettre l'accent sur des zones du corps et avoir de belles fesses, parce que c'est important aussi pour nous. Donc nous allons commencer tout de suite. On ramène les genoux écartés de la largeur du bassin, les mains bien à l'aplomb des épaules et on va décoller la jambe droite. On inspire et on expire, on ramène et on inspire, on décolle, on expire, on ramène. Donc on respire par le nez en yoga, c'est ce qui va différencier aussi de la gym. Donc de grandes inspires, de grandes expires. Sentez la chaleur déjà qui commence à naître. Respirez bien. Puis de là, on vient ouvrir sur le côté. Respirez, aspirez le nombril aussi pour bien gainer le ventre. Ça fait un deux en un comme ça, c'est génial. Puis vous revenez derrière, sur le côté. Derrière. Sur le côté, derrière, sur le côté, toujours en respirant. N'hésitez pas à bien souffler. Encore une fois, et on redépose le genou dans le sol. De là, on vient faire trois petits cercles avec le bassin et trois petits cercles dans l'autre sens. Toujours en respirant bien. Et même chose, on inspire. Sentez bien la chaleur. N'allez pas trop vite, trop fort. Essayez d'être dans la conscience de votre corps. Et envoyez des ondes positives, des ondes d'amour. Déjà, dites-vous que vous avez de belles fesses et votre corps va se fondre dans votre vision. Développez une vision positive de vous-même. Et non pas, oh là là, mes fesses sont moches, c'est horrible, etc. Non, non, elles sont comme elles sont, elles vont devenir de plus en plus belles. Surtout si vous pratiquez avec amour. Puis, sur le côté, ça chauffe, ça chauffe. Expirez. Sentez bien la chaleur. Et puis derrière et sur le côté. Ne basculez pas trop le poids du corps vers le latéral droit. Essayez de rester bien équilibré. Ne crispez pas les épaules, les mâchoires. Relâchez bien la nuque, aucune crispation aussi dans la nuque ni dans les mâchoires. Le visage est parallèle au sol. Et doucement, on redépose et on vient faire ces fameux petits cercles. Donc ça, c'est un bonheur, ces petits cercles. C'est la récompense. Et on inverse. Respirez bien. Donc là, vous sentez déjà bien que ça chauffe ici. Puis de là, vous recourbez les orteils et vous venez en chien tête en bas. Donc, biceps vers l'avant, triceps vers l'arrière, les épaules bien basses, les mains bien enfoncées dans le sol. Ici, vous n'hésitez pas à plier vos genoux et à monter vos ischios, vos fesses vers le ciel. Respirez bien. Si vous êtes à l'aise et que le dos est bien droit, vous pouvez déposer les talons dans le sol. Installez bien la posture en respirant, relâchez la nuque, aucune crispation dans le haut du corps, étirez tout le dos. Puis de là, on inspire, on étire jambe droite vers le ciel, on expire, on ouvre, on inspire, on expire.
deux épaules restent dans l'idéal le plus parallèle possible. C'est que les hanches, le bassin, les fesses qui travaillent. Puis de là, on redépose le pied dans le sol. Une respiration détente. Lâchez bien, expirez bien. Ou peut-être même par la bouche avec le son A. Et on inspire, on étire la jambe et on expire. On ouvre, on inspire. On ouvre la hanche vers le ciel. Vous pouvez même un peu plier la jambe droite. De là, vous redéposez le pied dans le sol. Vous marchez un petit peu sur place pour étirer vos ischios, monter vos fesses vers le ciel, relâcher la nuque. Et sentez que vous étirez le dos, les ischios. Puis vous relâchez, vous marchez avec vos pieds vers vos mains pour venir en cigogne. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Là, si vous êtes trop bas, vous pouvez prendre un bloc et redresser le buste ici. L'idée est d'avoir le dos assez droit, donc vous pouvez venir sur la pulpe des doigts ou les mains au sol. Mais ce n'est pas trop la souplesse qu'on travaille. Puis on inspire, on ouvre. On respire. Aspirez le nombril contre la colonne, détendez la nuque. Alors, il se peut que ça vous fasse des crampes. Si ça vous fait des crampes, n'hésitez pas à bouger, peut-être même à masser, ça peut faire des crampes dans les hanches ici. Donc, si vous avez une crampe, vous arrêtez. C'est assez exigeant. Vous pouvez même plier un petit peu vos jambes, bouger un petit peu vos fesses entre, de manière à bien ressentir le mouvement. Ça dépend des personnes, il y a des personnes qui sont plus à l'aise que d'autres. Ok, de là vous relâchez, vous pliez les genoux, vous déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, vous redressez le buste. De là, même chose, si vous avez des sensations un petit peu de gêne et que vous devez un petit peu travailler vos hanches, vous pouvez faire les 8 pour bien relâcher ici. Ok, donc les 8 avec le bassin dans un sens et dans un autre. Les pieds écartés de la largeur du bassin ici. On ramène les mains sur les hanches, poids du corps, jambe droite, et on décolle, on redépose, on inverse. Donc on essaye de bien garder le ventre gainé et le sourire, même si ça chauffe. Donc sentez, ça va travailler en même temps le ventre. Donc après, là, je vous montre les exercices, mais vous pouvez aussi augmenter le temps des exercices. Hein. Là, c'est pour une base, mais vous pouvez aller plus loin parce que petit à petit, vous aurez de plus en plus de résistance. Vous pourrez aller de plus en plus loin. Parfait. Puis de là, vous revenez. On inspire, on étire les bras. On expire, on vient en chaise. Les épaules bien basses, on aspire le nombril contre la colonne et on vient s'asseoir vers l'arrière. Puis poids du corps, jambe droite et jambe gauche. Respirez bien. De grandes inspires, de grandes expires. Et un petit bruit au bout du tapis, c'est sympa. Puis doucement, vous installez l'immobilité. Vous essayez de descendre un peu plus bas. Sentez la chaleur. Expirez bien. Et vous inspirez, vous redressez. Vous venez en latéral sur votre tapis. Vous ouvrez les pieds vers l'extérieur.
Et vous venez ici en déesse. Donc, ça porte bien son nom, cette posture. C'est vraiment pour révéler la déesse qu'on est. On respire et on tire les coudes vers l'arrière. Ou le dieu, si vous êtes un garçon, c'est pas obligatoirement que pour les filles. Les garçons aussi ont la nécessité d'avoir de belles fesses pour nous satisfaire. Respirez bien, de grandes inspires, de grandes expires. Laissez bien le bassin fondre vers la terre. Sentez la chaleur aussi dans les cuisses. Respirez. Puis de là, vous relâchez. Vous revenez sur votre tapis. Ici, vous revenez en chat. Et vous inspirez, vous creusez, vous regardez le plafond. Et vous expirez, poitrine, menton au sol, Ashtangasana. Et doucement, vous venez sur le ventre. Ici, vous ramenez le coude droit au sol, vous glissez sur le latéral droit. Donc là, hanche, talon et coude sur une même ligne. Ici, vous venez faire des cercles avec la jambe. Respirez bien. Donc sans partir vers l'arrière, de grands cercles. Respirez. Puis dans l'autre sens, sentez la chaleur dans les hanches. De grandes inspires, de grandes expires. Doucement. Puis on inspire, on étire, on expire, on relâche. Donc des mouvements de battement bien lents, bien conscients. Relâchez bien le visage, ne vous avachissez pas ici sur le coude, restez bien haute et toujours on continue à gainer le ventre. Expirez bien. Puis de là on relâche, on vient attraper le pied avec la main et on monte le genou le plus haut possible. Respirez. On garde bien son équilibre. Montez, montez le genou. Puis là, on vient faire des cercles avec le genou. Puis on inverse. Sentez la chaleur. Puis doucement, on relâche, on inspire le pied devant, on expire le pied derrière, la main devant. On inspire le pied devant, la main derrière, on expire, on inspire et on monte vers le ciel, on expire, on inspire et on monte vers le ciel, on expire. Montez bien. Plus vous montez haut, plus ça travaille. Puis doucement, on revient ici, on roule sur le ventre et on inverse. Donc on vient sur le latéral ici, faire des cercles. Donc là, vous allez bien voir comme ça travaille. Respirez. Et me tournez-moi dans l'autre sens. Hop. De grandes inspires, de grandes expires. Puis on inverse. Puis les battements. Respirez. Sentez que ça chauffe. Plus ça chauffe, plus ça travaille, plus ça fond,
plus ça se dessine. Puis doucement, vous attrapez le pied avec la main. Vous trouvez bien votre équilibre. Si jamais vous avez tendance à vaciller trop, vous pouvez replier la jambe du bas pour plus de stabilité ici. C'est plus facile. Puis comme on est vraiment dans l'idée de travailler la zone spécifique ici, respirez. De grandes inspires, de grandes expires, puis des cercles avec le genou. Puis on inverse. Relâchez bien les épaules, aucune crispation dans les mâchoires. Le coude est bien sous l'épaule. Puis de là, on relâche, on ramène le pied devant, la main derrière et on inverse, on monte bien la jambe. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir de jolies fesses? On respire. C'est vraiment la respiration aussi qui va vous aider à bien conscientiser le mouvement. Puis de là, on relâche. Donc on revient sur le ventre. Ici, les coudes au sol. Puis on gaine le ventre, on ramène les mains à la place des côtes. On inspire, on vient en cobra, on monte. Le sternum vers le ciel, pas les épaules ici, on gaine le bas du ventre. On expire, on revient en chat. De là, on libère le bas de jambe de la jambe droite. Ici, on vient en chat aérien. Et là, on vient travailler avec le genou toujours. Respirez bien. Montez bien le genou le plus haut possible. De grandes inspires. De grandes expires. La main est bien sous l'épaule, la genou sous la hanche, avancez le pubis et on inverse. Il y a toujours un côté qui est un petit peu plus délicat que l'autre. Sentez bien la chaleur. Puis on vient en chat aérien, on monte le genou le plus haut possible et on installe l'immobilité. Respirez. Sentez la chaleur, vous pouvez aller jusqu'au tremblement, puis doucement vous relâchez, vous revenez en chat, vous inversez, vous libérez le bas de jambe de la jambe gauche et chat aérien, vous venez faire vos cercles, respirez. Donc ça, c'est important d'avoir le bas de jambe de la jambe gauche, donc la jambe qui est au sol, bien dégagée en dehors du tapis pour la stabilité. Si vous n'avez pas ça, vous ne tenez pas dans la posture. Puis vous inversez. Respirez. Sentez bien la chaleur. Ça doit bien brûler. Puis vous montez. Le genou le plus haut possible, gainez le ventre, ouvrez les hanches, engagez les fesses. Respirez. Puis doucement, vous revenez en chat. Puis là, vous venez faire ces petits cercles un petit peu pour détendre encore. C'est bien agréable, on l'a bien mérité. Relâchez bien la nuque. Faites bien circuler l'énergie. Puis on recourbe les orteils, biceps vers l'avant, triceps vers l'arrière. Chien tête en bas ici.
Respirez bien. On inspire, on soulève la jambe vers le ciel. On expire, on aspire. Le nombril, on ramène la cuisse très proche du ventre, les épaules au-dessus des poignets et on dépose le pied entre les mains. Peut-être en plusieurs fois, si vous n'avez pas réussi en une fois, vous ramenez la cheville sous le genou, c'est très important. Puis si on décolle, on vient en guerrier, les épaules basses. Puis on va descendre le genou, redresser le buste, descendre le genou, redresser. À votre rythme. Doucement, on relâche, on revient en chien tête en bas ici, une respiration détente et on inspire, on soulève jambe gauche, on aspire le nombril contre la colonne et on ramène le pied ici entre les mains. Donc toujours cheville sous genou, ici on inspire, on redresse les bras et 6 fois, sans descendre jusqu'au bout, vous touchez juste. Je ne vais pas vraiment compter mais bon, ça doit faire 6. Et on ramène les mains ici, on revient en chien tête en bas. Ici, de nouveau, on inspire, on soulève la jambe vers le ciel. On expire, on ramène le pied sur le côté ici. Et puis, on décolle le bras droit. On inspire, on ramène la main. On décolle la jambe gauche. Et de nouveau, on ouvre ici, on respire. On revient, on soulève jambe droite, on inspire, on expire, on ramène le pied sous le pied gauche, on décolle le bras gauche, on inspire, on revient et on soulève la jambe droite et on ouvre ici, genou droit vers le ciel, on essaie d'avoir les deux épaules parallèles, la nuque détendue et on respire. Parfait, on redépose le pied dans le sol. Ici, dans plusieurs versions possibles, ou vous sautez ici. Donc vous venez, hop, vous sautez et vous venez vous asseoir. Ou vous faites chien tête en bas ici pour redéposer chat. Et vous libérez le bas de jambe et vous venez vous asseoir. À vous de voir ce qui est le plus confortable. Donc ici assis, on revient, on aspire le nombril contre la colonne et on expire, on aspire le ventre sans décoller les plantes de pied, on vient s'allonger dans le sol. Ok, de là on rapproche les talons des fesses ici, le dos bien enfoncé dans le sol, le menton légèrement rentré dans le cou. On inspire, on enroule le dos, on ramène le pubis vers les côtes et on enroule, on enroule, on enroule, on décolle d'abord les fesses. Le bas du dos, puis le milieu du dos. Ici, on peut croiser les bras et resserrer les omoplates. Les genoux sont bien parallèles. Les pieds bien écartés de la largeur du bassin. On respire. On monte le bassin le plus haut possible. On enfonce bien les talons dans le sol. On respire. On peut respirer dans l'espace du ventre. De là, on peut lâcher les mains. Et on décolle, jambe droite, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on redépose. Jambe gauche, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire. Même chose, possibilité de faire plus longtemps. Puis on inspire, on étire les bras derrière la tête. On enroule le dos vertèbre après vertèbre. On aspire le nombril contre la colonne. Et on vient déposer les fesses en dernier.
Puis de là, on ramène les deux genoux sur le ventre et on vient masser doucement ici le dos. Donc là, c'est vraiment très agréable. Relâchez-vous. On va faire un petit étirement pour pas avoir trop de courbatures sur les fesses. Donc on va ramener ici la cheville gauche sur le genou droit. On va croiser les doigts sur le genou droit. Puis là, on rapproche la cuisse droite du ventre. Donc là, pas de contraction dans les épaules. Les épaules sont bien au sol. C'est les biceps qui travaillent et qui rapprochent la cuisse du ventre. Respirez bien. Le pied droit est légèrement flex pour bien agir dans les hanches. Et là, même chose, vous pouvez rester plus longtemps dans l'étirement. Faites de grandes inspires, de grandes expires. Puis vous inversez. Et vous ramenez cheville droite sur le genou gauche. Et vous croisez les doigts sur la rotule gauche. Vous rapprochez le ventre de la cuisse. C'est aussi un très bon étirement si vous faites du sport, si vous courez, si vous faites du vélo. Ça évite d'avoir aussi des problèmes au niveau du nerf sciatique, cet étirement-là. Respirez bien dans le ventre, de grandes inspires, de grandes expires. Et félicitez-vous pour cette pratique. Remerciez-vous. Puis de là, vous relâchez. Vous pouvez ramener les pieds écartés en dehors du tapis. Vous ramenez un genou, puis l'autre. Les bras bien en croix, les paumes de main dans le sol. Vous relâchez ici en respirant. Puis de là, vous ramenez les pieds vers le ciel. Et là, vous faites secouer vos cuisses. Donc là, c'est bien pour faire circuler. Donc n'hésitez pas à y aller assez fort, respirez bien, faites vibrer toutes les fesses, cuisses, les hanches. Respirez, puis talons fesses, faites circuler le sang, l'énergie, donnez des grands coups de pied pour encourager à vraiment dégonfler cet espace et faire circuler le sang, la lymphe. Et de nouveau, respirez. Allez, très fort, très fort. Puis vous relâchez. Et Savasana, posture de relaxation. Vous vous abandonnez dans le sol. Tout le corps est enfoncé dans la terre. Plus rien à faire. Vous sentez tout l'espace du bassin des fesses très actif. Et vous vous envoyez des ondes d'amour, de bienveillance, de tolérance pour tout votre être. Restez dans la posture de Savasana un moment. Puis quand vous avez bien retrouvé votre énergie, que vous avez bien laissé circuler le sang, et cette idée d'amour inconditionnel de vous-même, parce que aussi plus vous êtes bienveillant avec votre corps, plus vous l'encouragez, plus vous vous dites qu'il est beau, et plus vous avez de résultats positifs. Merci beaucoup de m'avoir suivi, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me demander d'autres vidéos, des thèmes en particulier. Voilà, vous pouvez aussi suivre mes cours, enfin le programme des cours, des retraites, des stages, de tous les événements que je propose, il va y en avoir beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous avez les newsletters aussi, et puis comme ça vous pouvez voir en temps et en heure ce que je propose. Donc merci et bonne pratique, et j'espère que vous allez vraiment avoir des résultats. N'hésitez pas aussi à me dire comment ça évolue. Vous pouvez pratiquer cette série 3 fois par semaine, c'est bien comme renforcement spécifique. Merci, namasté.